En France, une mère de famille a été condamnée à 2 ans de prison ferme pour financement du terrorisme. La justice l'accuse d'avoir envoyé de l'argent à son fils qui était parti faire le djihad en Syrie où il aurait trouvé la mort. La jeune femme n'a pas été incarcérée. Elle va faire appel du jugement. Financer le terrorisme, financer une idéologie que moi-même je combats, que moi-même je ne cautionne pas, c'est juste pas logique. C'est un procès d'une mère qui a aidé son fils. D'autres parents ont comparu devant la justice pour des faits similaires. Plusieurs centaines de jeunes Français ont rejoint les rangs du groupe État islamique en Syrie.